Salut à toutes et à tous, ces petits chinois de NC. On se retrouve pour un nouvel épisode, le troisième plus précisément, de la série des constructions civiles d'un opéra. Donc, je change la vue, hein, la distance de vue pour que vous ne voyez pas le serveur. Hein, parce qu'aujourd'hui, je voulais vous faire une petite présentation du serveur. Après avoir créé après avoir fini le toit, que j'ai fini parce que c'est la deuxième fois que je recommence l'épisode. Et en fait, j'ai eu un petit problème au niveau du toit et de la capture de vidéo, ça avait bugué. Donc je vais démolir une petite partie du toit et je vais vous montrer ce qu'on devait obtenir. Donc je démolis cette partie, je vous en démolis une toute petite, hein, je vous préviens. Mais c'est pour le principe, c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et tout. Ensuite, je vous parlerai des dimensions parce que on veut toujours savoir les dimensions de mes constructions. Donc cette fois-ci, je vous parlerai des dimensions, hein, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, pendant. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je voulais faire une petite visite du serveur qui a beaucoup évolué depuis la dernière fois. Ce que je ne ferai pas tout simplement parce que mes compatriotes et amis et puis joueurs du serveur ne veulent pas, ils veulent être avec moi pour faire cette visite du serveur. Donc bon, je vais respecter leurs souhaits. Donc, alors, la logique pour faire ce toit. Donc, pour faire le toit de l'opéra, moi je suis parti sur une logique simple. Quand nous avons un bloc entier, on place un demi-bloc. Quand nous avons un demi-bloc, on place un bloc entier. Vous voyez, la logique est complètement simple. Donc, par exemple, je vous montre, là, il n'y a que certains endroits où ce sera des blocs entiers, hein, à la place de demi-blocs, parce que regardez, ici, si je mets un demi-bloc et là, un bloc entier, donc ici, un demi-bloc, ça ne le fait pas. C'est moche. Donc, pour raison esthétique, on place ici un bloc entier quand on descend. Donc voilà, bloc entier, là c'est un bloc entier, donc là on a un bloc entier, demi-bloc, demi-bloc. Là, raison d'esthétique, hein, ne cherchez pas à comprendre. De toute façon, si vous faites la méthode du demi-bloc partout, vous verrez qu'il y a des trous et vous les comblerez, donc ça ne changera rien. Donc, bloc entier, demi-bloc, parce que vous avez un bloc entier, donc là c'est bloc entier, c'est normal. Demi-bloc, bloc entier, demi-bloc, demi-bloc, demi-bloc. Demi-bloc. Voilà. Vous voyez, la logique est là. Donc regardez. Là nous avons un bloc entier, donc demi-bloc, demi-bloc, bloc entier. Vous voyez, ça le fait bien. Tac tac. Là je ne vais plus vous parler parce que vous voyez très bien ce que je suis en train de faire. Donc voilà. Vous voyez. Vous voyez la logique, quoi. C'est tout simple. Il n'y a rien de compliqué, du moins je pense. Donc voilà, vous attaquez ça comme ça. Là, vous mettez un bloc en... Non, vous mettez rien en fait. Là, demi-bloc, parce que nous avons un bloc entier, ainsi de suite. Donc, bloc entier, bloc entier, bloc entier, boum. Vous voyez un peu. C'est complètement simple à faire. Je me suis même permis de le casser pour recommencer, donc c'est dire que je n'ai même pas peur de le rater, quoi. Voilà. Donc là, c'est fini. Vous voyez, je l'ai fait assez rapidement. Bien, au départ, ça devait prendre plus de temps la vidéo, parce que j'avais toute cette partie du toit à faire, mais ça a bugué. Vous m'en voulez pas, j'espère. Bon, bref. Comme je vous avais prévu, on va faire la partie intérieure de l'opéra plus tard, hein. Ce qu'on peut faire là tout de suite maintenant tout de suite, c'est de délimiter juste par exemple les zones en bouse, hein. C'est moi, quand je fais un truc en bouse, c'est le brouillon, c'est visualisé, quoi. Là il y aurait l'escalier pour monter, ouais, un escalier double, voilà, là ça c'est le mur, donc il y aura un escalier double, on arriverait par là, comme ceci, on monterait, et on se mettrait ici sur les sièges.
Ensuite, l'autre côté, c'est pareil. Et au milieu, je pense à un truc du genre. Avec un petit couloir double, tranquille, tranquille. Et puis, on va voir ça après, quoi. Là, je vous fais le brouillon, comme je vous dis. Le brouillon, brouillonnette. C'est un brouillon, quoi. Alors, moi, je vous conseille de faire des brouillons dans vos constructions. Ça permet de mieux visualiser les choses, savoir où vous allez, à quoi ça devrait ressembler. Bon, après, il faut faire preuve d'un peu d'imagination, hein. Là, je vous dis pas que vous savez exactement ce que je veux faire, hein. Moi, je dis juste l'espace. Je sais qu'ici, il y aura une estrade, ici, une estrade, et puis ici aussi une estrade que je ne ferai pas avec vous, parce que c'est symétrique, hein, vous voyez bien. Donc, après, il faut s'imaginer la chose, hein. Vous arrivez ici, vous rentrez, vous dites « Wow, amazing! » Vous montez à l'étage, tac-tac, tac-tac-tac-tac. On arrive là, on s'installe, on fait « Wow, amazing! » On est en train de jouer Shakespeare. Après ici, comment on monte, je sais pas, je pense qu'on va arriver comme ça. Waouh, vite, je suis en retard, on se fout là, et puis voilà. On regarde le spectacle de manière impassible et admiratif. Tac, tac, tac. Donc on sort ici. Boum, boum, boum. Donc, voilà, j'ai délivré 2 secondes. Maintenant, je vous fais les mesures du bâtiment. Ouais, je crois que j'aurais dû faire ça au départ parce que là ça va être un peu plus chaud. Bref, donc la colonne centrale. Parce qu'en fait, l'idéal à faire c'est de faire d'abord la colonne centrale. Enfin, non, même pas. Je dis bon, je vais faire le bord, hein, bref. Donc, à l'heure, vous voyez le poteau en bois là? En bûche de sapin. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 14. On a 14 sur toute cette longueur. Donc en parallèle, ici, nous avons aussi 14 de cette bûche à ce... Attendez. Ah, attendez, attendez, je vérifie un truc. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc de cette bûche à ce truc de bouse, nous avons 14. Il va falloir que je refasse l'autre côté. Nous avons 14. Ce truc de bouse. Merde. Excusez-moi. Mince. Alors. Donc là, on a 13 jusqu'ici. Et là, on a 12. Hein, c'est logique. C'est des maths. C'est des calculs. Donc ici, de ce truc-là. Regardez, il n'y a rien là-bas. De ce truc-là. Donc de cette petite biluche. Donc, je vous mets au point carrément. 14 ici. Ici à là-bas, on a, je dirais à vue de nez, 24. Je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 25! Eh, vous voyez, là, je ne me suis pas trop planté à vue de nez, 24, 25, j'étais pas trop loin. Bon alors 25 jusqu'à cette bûche hein, compris, bord compris, bûche comprise. Voilà. Et donc ici nous avons logiquement aussi 25. Je vérifie ça tout de suite. Hein. Là vous voyez, j'ai pas du tout préparé le truc pour compter et tout. C'est freestyle. Hein. J'y vais à façon freestyle. Hein. Donc voilà, après hauteur. Ah oui, pardon. Faut que je vous explique tout, parce que sinon je ne pourrais pas le refaire. Que si vous demandez les proportions, c'est pour le refaire. Donc tac, tac, tac. Voilà, je vous explique un peu. On part en diagonale à partir de ce mur-là pour arriver au poteau. Vous voyez, ici. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 8 poteaux inclus en diagonale. Ce poteau-là fait approximativement, je dirais, 14 de hauteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vois plus grand-chose, attendez. Un peu de glowstone. 10, 11, 12. Et je vérifie dehors. Attendez. On est à 12, je vais mettre le truc. 13. Il fait 13 de hauteur. Bon, vous voyez, je me plante pas de beaucoup à chaque fois. Je me plante d'un. Hein, avec mes approximations.
Vu que je suis sans serveur, je peux me prendre pour Dieu un petit peu, donc je peux mettre le jour quand je veux. Et ça n'a pas marché. J'ai dû faire une bêtise. Time set 0. Et voilà, je me prends pour Dieu. Bon, c'est très laid, hein. Je vous le reconnais, la vidéo sera moche parce que c'est en tiny. C'est vraiment petit. Donc, ici nous avons. Attendez. Voilà. Ici nous avons le poteau, si je dis pas de bêtises. Ouais. Vous voyez, ici nous avons le poteau. Donc, pour le toit du poteau, vous voyez, vous montez d'un. J'ai tout pété. Je sais plus comment c'était, excusez-moi. Bon, on va dire que c'était comme ça. Hein. Bon, on laisse comme ça. Donc là, il y a le poteau. Je vous le symbolise comme ça. Là, il y a le poteau. Donc, du poteau, vous partez 1, 2, 3, 4, 5 à une hauteur au-dessus, supérieure. Non, même pas, vous montez de 1 avec un bloc au-dessus. Vous passez sur le poteau cette bûche. Et ensuite, vous montez d'un et vous allez jusqu'à 5 en diagonale. Puis, là, nous avons le poteau. Donc, sur la même hauteur que le poteau, vous passez 1, 2, 3, 4. Vous passez 3, excusez-moi. 3 bûches en diagonale. Vous descendez d'un, 3 bûches. Descendez d'un, 3 bûches. Descendez d'un, 3 bûches. Descendez d'un, 3 bûches. C'est pas clair ce que je dis. Hein. Vous me le direz dans les commentaires parce que je pense que c'est vraiment pas clair. Après, normalement, si vous faites tout ça bien comme il faut, vous devriez avoir une hauteur vitrée. Ah oui, pardon, excusez-moi, ici, je n'ai pas fait l'hauteur vitrée. Donc, du poteau, on se décale d'un vers le fond et il y en a 3. On se décale d'un, on en a 2. On se décale d'un, on en a 1. Et après, il y a la porte. Et de ce côté, c'est la même chose. On se décale d'un vers le fond, on a 3 blocs. On se décale d'un, 3 blocs. On se décale d'un, 1 bloc. Vous voyez, ça fait 3, 2, 1. C'est toute une logique. Bon, il y a une araignée dans mon opéra. C'est inacceptable. Je vais me la faire. De toute façon, assez bien. Merde. Je suis trompé de touche. Parce que je suis sous un clavier tactile. Une souris tactile. Et dès que je bouge un peu trop le doigt comme il faudrait pas, et ben, ça me modifie tout. Bon, alors là-bas, il y a un creeper qui a pété. C'est pas grave. Bon, ben voilà, je pense que je vous ai expliqué tout. L'intérieur, on s'y attaque plus tard. Et sur le serveur, il y a une maison en briques qui a été faite, qui est toute petite, toute pas très belle. C'est un copain, c'est pas un copain, c'est une connaissance qu'il a fait. Qui est un copain d'un copain, voilà. Donc, il l'a fait. La maison est vraiment toute petite et pas très. Il n'y a rien d'original. Autour, il y a plein de constructions très modernes. En fait, sa construction vient faire tâche. Donc, je pense faire une sorte de déco une semaine pour tout changer sur sa maison. Donc, on va l'agrandir, on va la réaménager, on va faire en sorte qu'elle soit plus jolie et plus belle. Hein. C'est exactement la même chose que je viens de dire. Plus jolie et plus belle. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Donc ouais, on va réaménager sa maison, je vous montrerai ça la prochaine fois quand on fera la visite du serveur, je pense. Et puis on verra ça, hein. Je vous dirai ce que vous en pensez, on va essayer de remasteriser sa maison. Attention, je ne pense pas faire un truc formidable étant donné que sa maison est en brique et que la brique, je ne maîtrise vraiment pas bien. Donc, sur ce, on se dit à bientôt, j'espère que cet épisode vous a plu pour comment faire le toit. Et les proportions du bâtiment. Si j'ai pas été clair sur une chose, dites-le moi. Je reverrai ça avec vous. N'hésitez pas à poser des questions et tout. Je suis là pour vous aider. Profitez-en tant que ça dure. Donc sur ce, on se dit à bientôt et salut. À plus.